puisque nous habitons tous sur Terre, nous sommes donc tous considérés comme terriens. Le terme terrien ne sous-entend aucune notion de sexisme, racisme ou spécisme. Il inclut chacun de nous sans exception, à sang chaud ou froid, mammifère, vertébré ou invertébré, oiseau, reptile, amphibien, poisson et humain également. Les humains, qui ne sont donc pas l'unique espèce sur la planète, partagent ce monde avec des millions d'autres créatures vivantes qui évoluent toutes ensemble. Pourtant, c'est le terrien humain qui a tendance à dominer la Terre, en traitant souvent les autres êtres vivants comme de simples objets. Voilà ce que signifie le mot spécisme. Par analogie avec le racisme et le sexisme, le terme spécisme est un préjugé ou une position en faveur des intérêts des membres de sa propre espèce, au détriment des membres d'autres espèces. Si un être souffre, il ne peut y avoir de justification morale pour refuser de prendre en considération cette souffrance. Quelle que soit la nature de cet être, le principe d'égalité veut que sa souffrance soit prise en compte de manière identique face à la même souffrance de n'importe quelle autre créature. Les racistes violent le principe d'égalité en privilégiant les intérêts des membres de leur propre race dès lors que leurs intérêts entrent en conflit avec ceux des membres d'une autre race. Les sexistes violent le principe d'égalité en favorisant les intérêts de leur propre sexe. De même, les spécistes permettent aux intérêts de leur propre espèce de prévaloir sur les intérêts les plus légitimes des membres d'autres espèces. À chaque fois, on retrouve le même scénario. Alors qu'entre humains, nous reconnaissons l'impératif moral du respect. Chaque humain est une personne et non une chose. Des traitements moralement irrespectueux se produisent lorsque ceux qui dominent dans une relation de pouvoir traitent les plus faibles comme s'ils étaient de simples objets. Le violeur agit ainsi envers sa victime. Le pédophile envers l'enfant abusé. Le maître envers l'esclave. Dans chacun de ces cas, les humains qui ont du pouvoir exploitent ceux qui n'en ont pas. Ce schéma pourrait-il s'appliquer à la façon dont les humains traitent les animaux ou les autres terriens? Il y a évidemment des différences, car les humains et les animaux ne sont pas identiques en tout point. Mais la question de la similitude revêt un autre visage. Bien sûr, les animaux n'éprouvent pas tous les désirs que nous éprouvons en tant qu'humains. Bien sûr, ils n'appréhendent pas tous ce que nous appréhendons. Pourtant, les humains et les animaux partagent certains besoins en commun et comprennent certaines des mêmes choses. La nécessité de manger, de boire, de s'abriter et de rechercher de la compagnie. D'avoir une liberté de mouvement et d'éviter la douleur. Pour ce qui est de la compréhension, comme les humains, beaucoup d'animaux comprennent le monde dans lequel ils vivent et évoluent. Dans le cas contraire, ils ne pourraient pas survivre. Donc malgré de nombreuses différences, il existe des similitudes. Comme nous, ces animaux incarnent le mystère et le miracle de la conscience. Comme nous, ils ne sont pas seulement dans le monde, ils sont conscients du monde. Comme nous, ils sont les centres psychologiques d'une vie qui leur appartient à part entière. En regard de ces principes fondamentaux, les humains s'apparentent aux cochons, aux vaches, aux poules et aux dindes. Qu'attendent ces animaux de nous? Comment devons-nous moralement les traiter?
Pour répondre à ces questions, il faut reconnaître notre parité psychologique avec eux. Le film qui va suivre démontre en 5 points comment les animaux en sont arrivés à servir l'humanité. Si jamais nous l'oublions. Le lauréat du prix Nobel de littérature, Isaac Bashevis Singer, a écrit dans son best-seller « Ennemi, une histoire d'amour ». Chaque fois que Herman assistait à l'abattage des animaux et des poissons, il lui vint toujours la même pensée. Dans leur comportement envers les autres créatures, tous les hommes sont des nazis. L'arrogance avec laquelle l'homme traite les autres espèces comme bon lui semble exemplifie les théories racistes les plus extrêmes. Le principe selon lequel la loi du plus fort est toujours la meilleure. Cette comparaison avec l'Holocauste est à la fois intentionnelle et évidente. Un groupe d'êtres vivants subit l'oppression infligée par un autre. Bien que certains argumenteront qu'il n'y a pas de comparaison possible entre la souffrance des animaux et celle endurée par les juifs ou les esclaves, il y a en réalité un parallèle. Et pour les prisonniers ou les victimes de ce massacre de masse, leur Holocauste est loin d'être terminé. Dans son livre « Une maison au bout du monde », l'auteur Henry Beston a écrit « Il nous faut une autre conception des animaux, plus juste et peut-être plus mystique. » Éloignés de la nature universelle et évoluant dans la complexité, l'homme civilisé observe les créatures à travers le prisme de son cerveau. Il y voit une plume agrandie et toute l'image est déformée. Nous traitons avec condescendance leur état inachevé, leur tragique destin d'avoir hérité d'une forme de vie inférieure à la nôtre. C'est là que nous commettons une erreur, une grave erreur. Car l'animal ne devrait pas être jugé par rapport à l'homme. Dans un monde plus ancien et plus accompli que le nôtre, ils se déplacent dans leur forme complète et achevée. Dotés de prolongements de sens que nous avons perdus ou bien jamais atteints. Ils entendent des voix que nous n'entendrons jamais. Ils ne sont ni nos frères, ni nos subalternes. Ils représentent d'autres nations, prises avec nous dans le filet de la vie et du temps. Compagnons prisonniers de la splendeur et des tourments de la terre. Pour la plupart d'entre nous, notre relation avec les animaux commence avec la possession d'un ou plusieurs animaux de compagnie. Mais d'où viennent nos animaux familiers? Bien sûr, c'est comme compagnons que les animaux servent l'homme d'une des façons les plus évidentes. La plupart des animaux de compagnie proviennent d'un éleveur. Pourtant, les éleveurs ne sont pas tous des professionnels. En réalité, dans cette profession, n'importe qui peut devenir éleveur. Les usines à chiots fournissent la majorité des animaleries, qui ne savent pas toujours que leurs animaux proviennent de tels endroits. Les usines à chiots sont des entreprises commerciales à petit budget, qui élèvent des chiens pour les vendre aux animaleries et à d'autres acheteurs. Leurs installations se trouvent souvent dans des arrière-cours, où les animaux y sont élevés en surnombre dans des conditions d'hygiène répugnantes, privés de soins vétérinaires et de socialisation. Ces chiots, en grandissant, développent souvent des problèmes physiques et psychologiques.
Les chiens errants, pour ceux qui ont de la chance, seront recueillis et amenés à un refuge ou une fourrière, où ils pourront espérer trouver un nouveau foyer. On estime que 25 millions d'animaux sont abandonnés chaque année. Et 27% d'entre eux sont des chiens de pure race. Parmi ces 25 millions d'animaux sans abri, environ 9 millions meurent dans les rues de maladies, de faim, de froid, de blessures, ou à cause d'autres dangers liés à la vie de rue. Beaucoup d'autres sont errants, dont certains probablement jetés à la rue par leur maître. Les 16 millions restants meurent dans les refuges ou les fourrières, qui n'ont plus de place pour les garder et sont donc obligés de les euthanasier. Force est de constater que malheureusement, près de 50% des animaux sont amenés dans les refuges par leurs propriétaires. De nombreuses personnes déclarent ne pas vouloir visiter les refuges, car ils trouvent que ce sont des endroits trop déprimants. Mais la raison pour laquelle tant d'animaux se retrouvent dans ces endroits tristes et surpeuplés, c'est parce que les gens refusent de faire stériliser leurs animaux de compagnie. Certains propriétaires d'animaux, surtout des hommes, se persuadent on ne sait pour quelle raison que de faire castrer un animal revient à émasculer son maître. Ou peut-être veulent-ils que leurs enfants puissent un jour assister au miracle de la vie, pour ainsi dire. Dans les deux cas, ce genre de personnes contribuent sans le savoir à l'euthanasie de plus de 60 000 animaux par jour. L'euthanasie, définie comme l'acte de tuer sans douleur pour abréger des souffrances, consiste habituellement pour les chiens en une injection dans une patte et parfois dans l'estomac pour les chats. C'est une technique rapide et sans douleur pour les animaux et de loin la plus empathique. Mais ce n'est pas toujours la plus économique. En raison de l'augmentation du nombre des euthanasies dans les refuges et de la demande croissante et constante de médicaments tels que l'acide barbiturique, certains refuges, pour des raisons financières, sont contraints d'utiliser des chambres à gaz. Dans une chambre à gaz, les animaux sont entassés les uns sur les autres et peuvent agoniser pendant 20 minutes avant de mourir. C'est de loin la méthode la moins compatissante, la plus traumatisante et la plus douloureuse. Mais c'est aussi la plus économique. Peut-être qu'une des questions cruciales que nous devrions nous poser s'agissant de nos animaux de compagnie est : peut-on faire d'eux nos compagnons tout en comblant leurs besoins ? Est-ce que nous agissons dans leur meilleur intérêt ? Ou est-ce que nous les exploitons ? La réponse à ces questions dépendra probablement de l'attitude des maîtres et de leur capacité à offrir un environnement adapté à ces animaux. La plupart des humains sont spécistes. Ce film montre que les êtres humains ordinaires
et non pas quelques humains exceptionnellement cruels ou sans cœur, mais la grande majorité des gens, participent activement, donnent leur accord et permettent que leurs impôts financent des pratiques qui impliquent le sacrifice des intérêts les plus fondamentaux de membres d'autres espèces, pour satisfaire les intérêts les plus futiles de notre propre espèce. L'espoir pour les animaux de demain réside dans une culture humaine qui nous apprenne à ressentir au-delà de nous-mêmes. Nous devons apprendre l'empathie. Nous devons apprendre à nous mettre à la place d'un animal et réaliser que sa vie a de l'importance. Car il est lui-même un être vivant. Dans les abattoirs est une variation sur le thème de l'exploitation des faibles par les plus forts. Plus de 10 000 fois par minute, ce qui représente 6 milliards de fois par an, rien qu'aux États-Unis, on prend la vie à des animaux pour la boucherie. Possédant le pouvoir absolu, les êtres humains décident de quand ces animaux vont mourir, où ils vont mourir et de quelle façon ils vont mourir. Les intérêts de ces animaux n'entrent pas en ligne de compte dans le sort qui leur est réservé. Tuer un animal est en soi un acte perturbant. On dit souvent que si nous devions nous-mêmes tuer pour manger, nous serions tous végétariens. Évidemment, peu de gens visitent les abattoirs, et les documentaires décrivant leurs pratiques sont très rarement diffusés à la télévision. Les gens s'imaginent que la viande qu'ils achètent provient d'un animal qui est mort sans souffrance, mais ils ne veulent pas vraiment savoir. Et pourtant, tous ceux qui par leurs achats commandent le sacrifice d'un animal, ne devrait pas ignorer les processus de production de la viande vendue dans le commerce. Alors, d'où vient notre nourriture? Pour ceux qui consomment de la viande, voici ce que les animaux de boucherie doivent subir. Pour les bovins, tous sont marqués. Dans cet exemple, sur le visage. Puis ils sont écornés sans anesthésie, avec de grandes pinces. Lors du transport, les animaux sont entassés les uns sur les autres dans des camions. Sur le trajet de l'abattoir, certains ne survivront pas à la chaleur, au froid, à l'épuisement, aux chocs traumatiques et aux conditions insalubres. Les vaches laitières sont gardées enchaînées à leur stèle toute la journée, privées d'exercice. On leur injecte des pesticides et des antibiotiques pour augmenter leur production de lait. Les vaches laitières comme celle-ci finissent par mourir d'épuisement.
L'espérance de vie d'une vache est normalement de 20 ans, mais les vaches laitières survivent au maximum 4 ans. Leur viande est ensuite commercialisée dans les fast-foods. Dans cet abattoir, le bétail marqué et décorné est conduit dans un bouvril. Le pistolet d'abattage, conçu pour assommer les animaux sans qu'ils souffrent, envoie un projectile en acier propulsé par air comprimé ou une balle à blanc directement dans la cervelle de l'animal. Bien que différentes méthodes d'abattage soient pratiquées, dans cet abattoir du Massachusetts, l'animal est suspendu pour qu'on lui tranche la gorge. Le sang est conservé car il sera également utilisé. Cet animal a reçu un projectile en pleine tête, censé l'avoir rendu inconscient. Mais comme vous pouvez le constater, il est toujours conscient. Ce n'est pas un cas isolé. Parfois, même après avoir été vidés de leur sang, ils sont toujours en vie lorsqu'ils arrivent sur le convoyeur pour être coupés en morceaux. Voici le plus grand abattoir de viande cachère des États-Unis. Le mot cachère signifie conforme en hébreu. Il désigne la méthode la plus pure possible. Les lois de l'abattage cachère exigent que l'animal souffre le moins possible. L'utilisation d'aiguillons électriques sur un animal immobilisé est interdite. Retourner un animal terrorisé pour en faciliter l'abattage est également interdit. La position à l'envers force l'animal à aspirer ou expirer du sang après l'incision. Arracher la trachée et l'œsophage au travers de la gorge constitue un autre flagrant délit d'infraction, car on ne peut toucher un animal cachère qu'après l'avoir vidé de son sang. Si ce rite consiste à jeter un animal mourant qui se débat encore, sur une glissière en métal et un sol inondé de sang, traché, gosier ballant, alors ce sacrifice sacré n'est ni propre, ni compatissant. Enchaîner et hisser un animal ne sont pas des actes autorisés, et ne correspondent en rien à la façon cachère de traiter les animaux. Dans de telles pratiques, la mort n'est ni rapide ni empathique, comme le revendique la méthode cachère. Les veaux sont arrachés à leur mère 2 jours après leur naissance. Ils sont attachés par le cou et immobilisés pour empêcher leurs muscles de se développer. Ils reçoivent une nourriture liquide carencée en fer et sont privés de litière, d'eau et de lumière. Ils sont abattus après avoir passé 4 mois à subir cette misérable existence.
Dans les fermes industrielles, les truies sont des machines à reproduire. Elles sont continuellement maintenues enceintes par insémination artificielle. Les grandes usines de porcs fabriquent, selon leurs propres termes, entre 50 000 et 600 000 porcs par an chacune. Du manque d'espace et des conditions de vie stressantes, on procède à l'ablation de la queue pour empêcher que les porcs se l'arrachent mutuellement avec leurs dents. Cet acte est pratiqué sans anesthésie. Le taillage des oreilles est lui aussi effectué sans anesthésie. De même pour le sillage des dents. La castration s'effectue également sans analgésique ni anesthésie. Et permettra soi-disant d'obtenir une viande plus grasse. Les aiguillons électriques servent à faciliter le maniement des bêtes. L'électrocution est une autre méthode d'abattage, comme vous pouvez le voir ici. Mais ce qui revient le moins cher pour tuer un animal, c'est de l'égorger. Une fois égorgés, les porcs sont enchaînés, suspendus à un crochet et plongés dans des cuves d'eau bouillante pour leur enlever les poils. Beaucoup d'entre eux se débattent encore lors de l'échaudage lorsqu'ils sont immergés la tête la première dans les cuves pour y être noyés. Yeah.
à la volaille, les Américains consomment actuellement autant de poulet en une seule journée qu'ils n'en mangeaient en une année entière en 1930. À l'heure actuelle, les plus grands éleveurs de poulets au monde abattent plus de 8,5 millions d'oiseaux chaque semaine. Le débécage empêche les coups de bec et le cannibalisme chez les poulets traumatisés d'être entassés dans des hangars surpeuplés où il leur est impossible d'établir un ordre social. De nos jours, cette mutilation des poussins s'effectue de façon très rapide, à une cadence de 15 oiseaux par minute. À ce rythme, la température et le tranchant de la lame varient, ce qui occasionne des coupes imprécises, provoquant de graves blessures aux poussins. Et pour leurs conditions de vie, entre 60 000 et 90 000 poulets peuvent être entassés dans un seul bâtiment. La souffrance endurée par ces animaux est permanente. C'est une forme d'existence. Malgré que leur bec soit amputé, ils cherchent à se donner des coups les uns les autres. Les poules vivent dans des hangars de ponte, où elles sont enfermées en surnombre dans ce que l'on appelle des cages de batterie, empilées les unes sur les autres. Un grand nombre d'entre elles perdent leurs plumes et se blessent à cause du frottement aux barreaux métalliques de leur cage. Entassées au maximum, elles ne peuvent ni déplier leurs ailes, ni assouvir leurs besoins les plus élémentaires. Pendant le transport, tous les animaux souffrent et beaucoup meurent. Ils étouffent lorsque les cages bondées et chargées sans aucune précaution sont empilées les unes sur les autres. Les poulets et les dindes sont abattus de différentes façons. Certains sont matraqués à mort, quand d'autres ont la tête tranchée. Mais la plupart finissent sur les chaînes d'abattage des fermes industrielles. Suspendus la tête à l'envers sur un rail, ils ont la gorge tranchée et ils saignent jusqu'à en mourir. D'autres sont maintenus la tête à l'envers dans des tubes pour les immobiliser pendant qu'ils saignent en mourant lentement. Si les abattoirs avaient des vitres, ne serions-nous pas tous végétariens? Mais les abattoirs n'ont pas de vitres. Les conditions d'abattage ne sont pas visibles, ce qui permet de nier le processus, de s'assurer que nous ne verrons rien, même si nous voulions le voir. Mais qui voudrait voir ça? Oh,
il y a plus de 100 ans, Emerson avait fait l'observation suivante. Vous avez dîné, et bien que l'abattoir ait été soigneusement caché dans un lieu suffisamment éloigné, vous êtes complice. Ceux qui pensent qu'il est plus sain de manger du poisson que des animaux terrestres, réfléchissez aux quantités de déchets irrécupérables et aux sédiments contaminés déversés dans les océans. Les industries nucléaires, chimiques et pétrolières ont fait très peu pour la protection des milieux marins. Depuis toujours, les fonds marins ont été une solution bien commode pour se débarrasser des déchets indésirables. La pêche industrielle a atteint des proportions titanesques. Les pêcheurs utilisent d'immenses chalutiers-usines de la taille d'un stade et des appareils électroniques à la pointe de la technologie pour pister et attraper le poisson. Des filets gigantesques s'étendent sur la surface de l'océan, balayant tout sur leur passage. Ces chalutiers, avec notre appétit grandissant pour le poisson, vident les océans de leurs ressources à une vitesse alarmante. Déjà 13 des 17 plus grandes pêcheries du monde sont épuisées ou sur le déclin. Les 4 autres sont à pleine capacité ou surexploitées. L'épidémie de Fisteria, un micro-organisme 1000 fois plus toxique que le cyanure, s'est développée dans des millions de litres d'excréments et d'urine de porc, qui ont ensuite été déversés dans les rivières, les lacs et les océans, transformant leurs écosystèmes en lisiers débordants, ce qui révèle une situation extrêmement préoccupante. Menaçant la vie humaine et marine, la Fisteria a tué plus d'un milliard de poissons. C'est le plus grand nombre jamais enregistré dans le Sud-Est. Des traces de Fisteria ont été découvertes depuis Long Island jusqu'aux côtes de la Floride, à plus de 1500 km de distance. En réalité, cette contamination par les eaux représente l'une des pires épidémies provoquées par un micro-organisme virulent de toute l'histoire des États-Unis. Il correspond à un danger biologique de niveau 3. Le virus Ebola est de niveau 4, le sida est de niveau 2. La mutation de ce microbe est la conséquence directe de notre consommation massive d'animaux, surtout de porcs. Lorsque les porcheries engraissent des millions de porcs, le grain entre d'un côté et les excréments ressortent de l'autre. Ces excréments se retrouvent dans les océans et dans nos systèmes d'approvisionnement en eau, contaminant les poissons qui y vivent et aussi ceux qui s'en nourrissent. Pour finir, la pêche à la baleine. Bien que la Commission internationale ait interdit la pêche commerciale à la baleine en 1985, plusieurs pays continuent de tuer les baleines pour leur soi-disant viande exotique. Ils utilisent des harpons, des armes à feu, des crochets, et même des explosifs. Ou bien ils les attirent vers des baies où la pêche est autorisée.
où elles viendront s'échouer et seront tuées avec des couteaux dans les bas-fonds. Chaque hiver, entre octobre et mars, des millions de dauphins sont encerclés et brutalement massacrés dans des petites villes japonaises. Les sonars interfèrent avec les ondes émises par les dauphins. Désorientés et pris au piège dans les filets, les dauphins paniquent. Les pêcheurs entaillent souvent quelques dauphins avec une lance ou un couteau, car les dauphins n'abandonnent jamais un membre de leur famille qui est blessé. Les mères et les bébés crient de détresse quand ils sont séparés, puis ils sont hissés et emportés avant d'être sauvagement tailladés à mort. Les dauphins sont des êtres inoffensifs et innocents. Ils ne méritent pas cela. Ils gisent à terre, mutilés et démunis, et se débattent en vain sur un sol en ciment pendant qu'on les découpe à la machette et qu'on les laisse lentement agoniser. Pris de convulsions, ils se tordent de douleur dans l'agonie, devant des écoliers qui passent dans l'indifférence. Ces images de massacres et ces eaux ensanglantées montrent bien que le gouvernement japonais n'a aucun respect pour la préservation des océans de notre planète. Leur méthode de pêche inhumaine viole souvent les lois, conventions et traités internationaux créés pour empêcher la surexploitation des océans et des créatures qui les habitent. La viande de dauphin sera vendue dans les marchés et les restaurants, souvent faussement étiquetée comme étant de la baleine. Comme si la cruauté envers les animaux de boucherie ne suffisait pas, nous avons aussi trouvé des moyens de les utiliser pour fabriquer nos vêtements. Vestes, chaussures, ceintures, gants, pantalons, portefeuilles, sacs à main, etc. On peut donc maintenant se demander d'où viennent nos vêtements. La demande en cuir vient principalement des États-Unis, de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Tout le monde en porte, sans vraiment savoir d'où il vient. Des milliers de vaches indiennes sont tuées chaque semaine pour leur peau. Elles sont achetées à des familles pauvres de l'Inde rurale, à qui l'on a fait croire qu'elles vivraient dans des fermes. On doit conduire les vaches dans un autre état pour pouvoir les tuer légalement, car il est interdit de les tuer dans la majeure partie de l'Inde.
Les animaux sont ferrés et attachés les uns aux autres avant d'entreprendre leur harassante marche de la mort, qui peut durer jusqu'à plusieurs jours. Ces vaches seront contraintes de marcher dans la chaleur et la poussière, sans boire ni manger, avec l'angoisse de cette terrifiante expérience. Beaucoup s'écroulent en chemin, incapables de continuer à marcher. C'est la première fois de leur vie que ces animaux montent dans un camion, et ils sont terrifiés. Surtout quand les hommes les chargent à toute vitesse ou brutalement. Le bruit et les secousses du camion sont aussi nouveaux, et peuvent les rendre malades. Après avoir passé un jour ou deux dans le camion sans eau ni nourriture, elles sont extrêmement assoiffées et affamées. Surtout qu'elles ont l'habitude de manger toute la journée. Quand les bêtes sont à bout de force, on leur casse l'os de la queue pour les faire se relever. On leur pince la queue à différents endroits et plusieurs fois. Les dresseurs doivent continuellement les faire avancer, en tirant sur les cordes dans leurs naseaux, en leur tordant le cou, les cornes ou la queue. Ils conduisent, ou plutôt ils obligent le bétail, à monter et descendre des camions sans utiliser de rampe, ce qui provoque des blessures telles que des fractures du bassin, des pattes, des côtes ou encore des cornes. Ils se servent aussi de piment et de tabac pour faire avancer les animaux. La pratique consiste à frotter du piment directement dans les yeux de l'animal pour le forcer à se remettre debout. Et tout ceci avant l'abattage. La moitié des animaux meurent avant d'arriver à l'abattoir. La situation est rendue encore plus traumatisante et terrifiante, lorsque souvent les vaches sont tuées à la vue de leurs congénères. Au lieu d'avoir la gorge rapidement tranchée avec un couteau bien aiguisé, elles sont charcutées et tronçonnées en morceaux avec une lame émoussée. Ensuite, les peaux de ces animaux sont envoyées à des tanneries, qui utilisent des substances toxiques comme le chrome pour stopper la décomposition. Rappelez-vous, le cuir n'est rien d'autre que de la chair morte. C'est de la peau morte, qui va naturellement se décomposer et pourrir si elle n'est pas traitée avec des produits chimiques comme ceci. Les effets de ces produits chimiques sur la santé des tanneurs, qui doivent répondre à une demande grandissante pour les articles en cuir, représente un autre problème. Au final, le cuir des vaches indiennes se retrouve dans les magasins du monde entier. La plupart des grandes chaînes commercialisent du cuir originaire de l'Inde. Du cuir qui ne provient absolument pas des vaches que l'on mange. Que sait-on de la fourrure ? Plus de 100 millions d'animaux sauvages sont massacrés chaque année pour leur fourrure, dont 25 millions rien qu'aux États-Unis.
Ces animaux chassés ou piégés sont emprisonnés dans des fermes à fourrure dans des conditions comme celle-ci. Bien évidemment, ces animaux sauvages non domestiqués n'ont pas l'habitude d'être séquestrés. En plus d'être terrifiés de se retrouver enfermés en cage, la frustration et le stress du confinement les rendent fous. Ces animaux sauvages et leurs petits, habitués à courir librement, sont empêchés de vivre dans leur état naturel. Ils ne peuvent même plus faire quelques pas ou sentir la terre sous leurs pattes. Ils en sont réduits à gratter et à tourner continuellement en rond dans leur cage. Ces animaux subissent des souffrances physiques parmi lesquelles des fractures des os, parfois ouvertes. La cécité, de la déshydratation et de la malnutrition, des infections aux oreilles, de l'hypothermie, une absence de soins vétérinaires et une mort lente. Aucune loi ne régit l'abattage des animaux dans les fermes à fourrure. Ce sont donc les méthodes les moins coûteuses qui sont privilégiées. Empoisonnement au monoxyde de carbone ou à la strychnine, asphyxie, fracture du cou et électrocution anale sont parmi les méthodes les plus couramment utilisées. On sort l'animal de sa cage par le cou avec une lourde gaffe et on le fait passer devant des cadavres de renards, de ratons laveurs, de loups et autres animaux. L'électrocution anale est une méthode rudimentaire. On insère une tige dans le rectum de l'animal en lui faisant mordre un conducteur en métal. Cette abominable procédure doit souvent être répétée plusieurs fois pour aboutir à la mort de l'animal. Une fois dépouillées, les carcasses seront hachées et serviront à nourrir les animaux restés en cage. How much does this run? This is $49,500. Passons au divertissement. Mark Twain a dit : de toutes les créatures qui aient jamais existé, l'homme est la plus cruelle. Il est le seul qui prend plaisir à faire souffrir, tout en étant conscient de la souffrance qu'il inflige. Dans les rodéos, les taureaux et les broncos ne se cabrent pas parce qu'ils sont sauvages, mais parce qu'ils souffrent. Une ceinture appelée sangle ventrale ou de ruade est attachée autour du corps de l'animal au niveau de ses organes génitaux.
Au moment où on le fait sortir de l'enclos, on tire sur la sangle et la douleur le force à faire des ruades. En plus des différentes blessures que subissent les animaux pendant les rodéos, comme les pattes cassées. On les excite en les frappant, en les énervant. En utilisant des aiguillons électriques et d'autres supplices qui les font paniquer et se ruer dans l'arène en bondissant. L'assaut consiste à lancer une corde autour du cou d'un animal effrayé, courant à toute allure, à tirer violemment sur la corde pour l'arrêter d'un coup sec et à le jeter par terre. Comme tout autre commerce, les courses de chiens ou de chevaux sont des activités motivées par un dénominateur commun, le profit. Dans les foires, on utilise les animaux pour faire des courses qui font l'objet de paris et sont montrés en spectacle. On les entraîne pour ces événements en les privant de nourriture et parfois d'eau. Ces animaux déstabilisés au milieu de la foule et de l'environnement bruyant se retrouvent souvent blessés et abattus lors de ces concours inutiles, ridicules et barbares dont les seuls buts sont le profit et le divertissement. La chasse est devenue la principale menace pour la faune, avec la réduction de son habitat. Les chasseurs tuent plus de 200 millions d'animaux chaque année. Les cerfs, les lapins et les écureuils sont leurs cibles préférées. Les cibles sont vivantes et meurent violemment. La pêche est aussi un sport meurtrier qui entraîne la souffrance d'un animal. Les chercheurs ont démontré que les poissons ressentent la douleur de la même façon que les mammifères. Du point de vue anatomique, physiologique et biologique, ils possèdent le même système nerveux que les oiseaux et les mammifères. En résumé, les poissons sont des créatures dotées de sens qui ressentent évidemment la douleur. Ceux qui pensent que les poissons reçoivent une mort plus douce doivent savoir que les organes sensoriels des poissons sont extrêmement développés, qu'ils possèdent un système nerveux complexe, que leurs cellules nerveuses sont similaires aux nôtres. Et ils réagissent à certains stimuli de façon immédiate et énergique. Lorsque nous allons au cirque, nous prenons rarement le temps de réfléchir à cette question. Qu'est-ce qui peut bien inciter un animal à effectuer un acte forcé, voire dangereux, comme sauter à travers des flammes, se balancer sur une patte, ou sauter dans l'eau du haut d'un plongeon instable?
Les dresseurs veulent faire croire au public que les animaux exécutent ces prouesses en échange de récompenses. Mais en réalité, ces animaux agissent par peur d'être punis. En vérité, les cirques condamnent les animaux sauvages. À passer leur journée isolés dans des cages minuscules et vides, sans pouvoir faire d'exercice ou se socialiser. À être transportés d'un endroit à l'autre. Et à rester enchaînés pendant 95% de leur vie. Elephants are taught to perform with positive reinforcement and never hit. Never hit. Never, never, never will you see anyone use the ankus as anything other than a guide or a tool. No! 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 No, 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 no! La domination, l'asservissement et la douleur font partie intégrante des méthodes de dressage. Fucking sink that hook and give everything you got. Well, it's in there, don't. It's gonna hurt you. When you hear that screaming, then you know you've got their attention. Right here, she's gonna fucking do it right now. That's just fucking right. Oh, Becky! Becky! Nous savons que les animaux ont des sentiments. Ils ressentent la peur, la solitude et la douleur. Exactement comme les humains. Quel animal choisirait de passer sa vie entière en captivité s'il avait le choix? Ah.
Les zoos. Sont-ils des institutions d'éducation et de préservation utiles? Certes, les zoos sont intéressants, mais leur seule valeur éducative repose sur l'indifférence envers la nature d'autres êtres vivants. D'ailleurs, que pouvons-nous apprendre sur des animaux sauvages si nous les observons en captivité? Si les zoos existent, c'est parce que l'exotisme nous intrigue. Et pour les visiteurs, les animaux ne représentent rien d'autre que des objets. Dans les deux cas, au cirque comme au zoo, les animaux sauvages et exotiques sont capturés, mis en cage, transportés et dressés pour obéir aux ordres des humains. Le terme corrida ou combat de taureau porte mal son nom. Car il n'y a pas de compétition réelle entre un matador agile et armé d'une épée, matador signifie tueur en espagnol, et un taureau désorienté, mutilé, tourmenté psychologiquement et affaibli physiquement. Beaucoup d'anciens toreros célèbres ont révélé que pendant plusieurs semaines avant le combat, les taureaux sont affaiblis avec des tranquillisants, des laxatifs, des coups dans les reins et des poids pendus à leur cou. Certains taureaux sont placés dans le noir complet 48 heures avant la confrontation pour qu'ils soient complètement aveuglés une fois lâchés dans l'arène. Dans la corrida classique, dès que le taureau entre dans l'arène, les toreros viennent l'épuiser et l'énerver en le faisant courir en rond et en le piégeant pour qu'il se cogne. Quand le taureau est exténué et à bout de souffle, les picadors s'approchent de lui et lui plantent des lances dans les muscles du dos et du cou, les tournant et les enfonçant pour qu'il perde le maximum de sang pour l'empêcher de relever la tête. Puis arrivent les banderilleros qui le distraient et l'encerclent en lui enfonçant d'autres lances. Le taureau s'affaiblit en perdant beaucoup de sang et on le fait encore tourner en rond jusqu'à ce qu'il ait le vertige et s'arrête de courir. À la fin, le matador, ce tueur, fait son apparition et après plusieurs tentatives pour forcer l'animal mourant à charger, il le tue avec son épée. Et ce divertissement sanglant s'appelle la corrida. Le plaisir que procurent ces activités et ces sports, une communion avec la nature, selon certains, pourrait être obtenue sans blesser ou tuer les animaux. L'exploitation commerciale de la nature présume à tort que la valeur des animaux sauvages se réduit à leur utilité pour les intérêts humains, surtout pour leurs intérêts économiques. Mais les animaux sauvages ne constituent pas une ressource renouvelable, dont la valeur se rapporterait uniquement aux intérêts humains. Cette vision ne peut être que celle d'un spéciste. Cependant, si ces pratiques existent, c'est seulement parce que nous ne prenons pas au sérieux les intérêts des autres animaux. Dans cette perspective, les humains ne sont-ils pas les spécistes les plus cruels de tous ? Le terme vivisection se réfère à toute forme d'expérience sur des animaux vivants, tout en étant considéré comme une science médicale. La pratique des expériences de ce type permet soi-disant de découvrir des remèdes aux maladies humaines. Mais ceux qui pensent guérir les hommes en infligeant délibérément des souffrances aux animaux commettent deux erreurs fondamentales. La première, c'est de supposer que des résultats obtenus sur des animaux s'appliqueront à l'homme. La seconde, c'est le sophisme de la science expérimentale dans le domaine de la physiologie.
Comme les animaux réagissent différemment des humains, tous les nouveaux produits ou procédures testés sur les animaux doivent être ensuite de nouveau expérimentés sur des personnes, dans le cadre d'essais cliniques minutieux, avant d'être considérés comme sûrs. Cette règle ne connaît aucune exception. Les tests sur les animaux sont non seulement dangereux, car ils peuvent aboutir à de fausses conclusions, mais en plus, ils retardent les recherches cliniques qui sont les seules à être considérées comme valides. Il ne faut pas oublier qu'une maladie délibérément provoquée n'a aucun rapport avec une maladie qui se déclare spontanément. Malheureusement, aujourd'hui, ces méthodes sont toujours pratiquées sous le couvert de la science et sont une insulte à la véritable science et à l'intelligence humaine. La vivisection est donc pratiquée lors d'expériences médicales, en infligeant l'ingestion de substances toxiques. Des chocs électriques ou traumatiques. Des opérations sans anesthésie. Des brûlures. Période de privation d'eau et de nourriture. Des tortures physiques et psychologiques qui entraînent des déséquilibres mentaux, des infections et ainsi de suite. Les recherches sur les traumatismes crâniens sont effectuées en ligotant des babouins en partie ou totalement conscients et en enfermant leur tête dans des casques de métal. Ils seront propulsés à un angle de 60 degrés avec une force de plus de 1000 grammes. Le but de cette expérience est de simuler des accidents de voiture, de football, de boxe et autres traumatismes crâniens. Et ce procédé est souvent répété plusieurs fois de suite sur le même animal. Et pour finir, la recherche militaire. Cette image parle d'elle-même. Il peut s'agir d'envoyer des singes dans l'espace, de tester des explosions atomiques sur des chiens sans défense, ou d'exposer des primates aux radiations nucléaires. Il y a 20 ans, le nombre d'animaux torturés à mort par la vivisection était astronomique. On l'estimait à plus de 400 000 par jour dans le monde, et il augmentait de 5% chaque année. Mais aujourd'hui, ce nombre dépasse l'entendement. 19 000 par minute, 10 milliards par an. Certaines personnes sans instruction prétendent que les animaux ne ressentent pas la douleur autant que nous. En vérité, nous n'avons que très peu de connaissances sur ce que les animaux peuvent ressentir. Si ce n'est qu'ils sont aussi soumis à la loi universelle, qui veut que tout organisme mourant de cause artificielle souffre énormément avant de s'éteindre.
Mais il est absurde d'affirmer que les animaux ne souffrent pas, parce que leur degré d'intelligence est inférieur au nôtre. La douleur reste la douleur, qui est transmise au cerveau par les nerfs. Il y a aussi d'autres terminaisons nerveuses reliées à l'intelligence, comme la vue, l'odorat, le toucher et l'ouïe. Et chez certains animaux, ces nerfs sont beaucoup plus développés que chez l'homme. Nous savons que jamais dans l'histoire, nous n'avons fait de découvertes sur la physiologie humaine en torturant les animaux. Nous en avons seulement appris davantage sur les animaux. Et si ces derniers peuvent nous en apprendre sur le plan psychologique, nous ne l'obtiendrons pas avec de l'acier ou de l'électricité, et encore moins en usant de violence psychique. La torture systématique d'êtres sensibles, quel qu'en soit le prétexte ou la forme, ne mènera nulle part, sauf à découvrir ce que l'on sait déjà. Elle nous démontre jusqu'où l'homme est capable de s'abaisser. Si c'est ce que nous cherchons à savoir. L'ignorance est l'excuse première des spécistes. Pourtant, avec du temps et de la détermination, tout à chacun peut facilement découvrir la vérité. L'ignorance l'emporte depuis si longtemps, seulement parce que les gens ne veulent pas connaître la vérité. Ne me dis rien, tu vas me gâcher mon repas. C'est la réponse typique que l'on obtient si l'on essaye d'expliquer à quelqu'un comment a été produite la nourriture de ce repas. Même les gens qui savent que la ferme familiale traditionnelle a été remplacée par d'immenses usines à profit, que leurs vêtements viennent de vaches massacrées, que certains divertissements entraînent la souffrance et la mort de millions d'animaux, et que des expériences douteuses sont réalisées dans des laboratoires. Ces gens continuent obstinément de croire que les conditions ne peuvent pas être si terribles, car dans le cas contraire, le gouvernement ou les sociétés de protection animale seraient intervenus. Ce n'est pas notre inaptitude à nous renseigner sur les faits, mais plutôt notre désir de les ignorer, qui peut lourdement peser sur notre conscience et nous empêcher d'agir. Après tout, les victimes de tout ce qui se passe, dans tous ces endroits terrifiants, ne font pas partie des membres de notre propre groupe. Le constat se rapporte à la douleur et à la souffrance, et non à l'intelligence ou à la force, à la classe sociale ou aux droits civiques. La douleur et la souffrance sont inacceptables et devraient être évitées ou réduites, indépendamment de la race, du sexe ou de l'espèce de l'être qui souffre. Nous sommes tous des animaux de cette planète. Nous en sommes tous les créatures. Et tous les animaux non humains éprouvent des sentiments. Comme nous. Comme nous, ils sont forts, intelligents, travailleurs, mobiles et adaptables. Eux aussi sont capables de se reproduire et de s'adapter. Comme nous, ils sont avant tout des terriens. Et comme nous, ils survivent. Comme nous, ils recherchent leur propre confort, plutôt que l'inconfort. Et comme nous, ils ressentent plusieurs degrés d'émotion. Bref, comme nous, ils sont vivants. La plupart d'entre eux sont des vertébrés, exactement comme nous. Si l'on examine combien les animaux sont indispensables à la survie de l'homme,
à quel point nous sommes totalement dépendants d'eux pour nous tenir compagnie, pour la nourriture, pour nous vêtir, pour le sport et le divertissement, pour les recherches médicales et scientifiques. Paradoxalement, on ne voit que l'ingratitude de l'homme envers ses pourvoyeurs. C'est une évidence de devoir constater que nous en sommes arrivés à mordre la main de celui qui nous nourrit. En réalité, nous l'avons même piétiné et nous avons craché dessus. Nous devons maintenant en subir les conséquences. Tous les rapports de santé rendent compte des effets nocifs de notre consommation excessive d'animaux. Cancer, maladie du cœur, ostéoporose, crise cardiaque, calculs rénaux, anémie, diabète et beaucoup d'autres. Même notre nourriture est à présent contaminée et à sa source. On utilise des antibiotiques pour engraisser les animaux, qui n'arrivent pas à prendre du poids à cause du stress et des conditions de vie dans les fermes industrielles surpeuplées. On abuse des pesticides, des insecticides ou des hormones artificielles pour augmenter la production de lait, la taille et la fréquence des portées, avec ses colorants artificiels, herbicides, larvicides, engrais de synthèse, tranquillisants, stimulants de croissance et d'appétit. Inutile de se demander d'où viennent la maladie de la vache folle, la fièvre aphteuse, la phtisthéria et bien d'autres anomalies animalières qui affectent les êtres humains. La nature n'est pas responsable de ces problèmes. Ce sont nous qui en sommes responsables. Un changement est donc inévitable. Et si nous ne le faisons pas nous-mêmes, la nature le fera à notre place. Il est temps de changer nos habitudes alimentaires, nos traditions, nos styles de vie, nos modes. Et avant tout, nos mentalités. S'il existe une part de vérité dans l'adage, on n'a que ce qu'on mérite. Alors qu'ont-ils fait pour mériter de telles souffrances? Avons-nous réfléchi à cette question? Si l'on n'a que ce qu'on mérite, alors qu'ont-ils fait pour mériter toutes ces souffrances? Ce sont des terriens. Ils ont autant le droit de vivre ici que nous. Peut-être que la réponse se trouve dans cet autre adage, qui est tout aussi vrai. On récolte ce que l'on sème. Bien sûr, les animaux ont des sentiments. Et bien sûr, ils ressentent la douleur. Après tout, si la nature a doté ces merveilleuses créatures d'une profusion de sentiments, pourquoi ne les ressentirait-il pas? Ou alors, les animaux ont-ils des nerfs pour rester insensibles? La raison exige une meilleure réponse. Mais une chose est absolument certaine. Les animaux utilisés en boucherie, pour la confection, pour le divertissement, dans des expériences scientifiques, et qui subissent toutes les oppressions imaginables, finissent par mourir dans la souffrance, tous, sans exception. On peut déjà suffisamment déplorer que dans le monde entier, les animaux doivent sans cesse reculer devant le progrès et le développement humain. Et de nombreuses espèces n'ont nulle part où aller. Il semblerait que le destin des animaux est soit d'être maudit par l'homme, soit d'être trop prisé. Nous sommes les seigneurs sur la terre. Nous détenons le pouvoir de terroriser, mais aussi de compatir. Les êtres humains devraient aimer les animaux comme on aime un être innocent,
comme on protège un être vulnérable. Si la souffrance des animaux nous retourne l'estomac, cela montre bien que nous n'y sommes pas indifférents, même si nous ne voulons pas l'admettre. Ceux qui rejettent l'amour pour les animaux comme n'étant que de la sensiblerie renient une part importante et belle de notre humanité. Quand on respecte un animal, on n'en est pas moins un humain. Et il nous appartient de les laisser vivre dans le bonheur aussi longtemps que possible. Sur la falaise, le roi Lear demanda à Gloucester « Comment vois-tu le monde ?» Et Gloucester, qui était aveugle, répondit « Je le vois avec mes sens. » Je le vois avec mes sens. Trois forces vitales coexistent sur cette planète. La nature, les animaux et l'humanité. Nous sommes tous terriens. Faites la connexion.